Moi, je suis Élise Petit, et je suis guide conférencière et médiatrice du patrimoine dans une structure que j'ai créée en 2020 qui s'appelle 321 Visiter. Et cette structure, je l'ai créée pour faire le lien en fait entre différentes choses que je faisais avant. Donc à l'origine, je suis guide conférencière, j'ai fait des études en histoire. Je m'intéresse aussi à l'architecture, à l'urbanisme. Et par la suite, en fait, je suis devenue éducatrice à l'environnement. Donc je me suis auto-formée à ça et j'ai été éducatrice à l'environnement pendant 3 ans dans une association. Et en fait, dans cette association, je faisais beaucoup d'activités autour de l'environnement urbain, donc qui n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on pense à l'environnement. Et donc, je trouvais qu'il y avait beaucoup de liens à faire entre les visites de type visite de sites, de villes, de quartiers que je pouvais faire en tant que guide conférencière et des activités autour de l'environnement urbain. Donc, j'ai utiliser des manières de faire, des méthodes qu'on utilise en éducation à l'environnement, qui sont des méthodes beaucoup plus participatives, plus actives, des jeux, des énigmes, du sensoriel, pour les introduire dans des visites guidées qui d'habitude sont plus axées sur la parole. Et aujourd'hui, c'est ça le cœur de ce que je fais à 321 Visiter. C'est des visites que j'appelle des visites actives, donc où je fais participer énormément le public. Et d'autre part, je ne fais pas du tout des visites de lieux classiques ou touristiques. Je fais des visites qui se dirigent plutôt vers un public local et qui vont être des visites de villes, de quartiers, d'endroits où on n'aurait pas été spontanément, qui permettent de poser un autre regard sur les lieux où on va. Enfin, c'est l'idée en tout cas, j'espère que ça marche. De redécouvrir des lieux de sa ville ou de sa région. Pour voir voilà les choses autrement et tout ça donc avec des méthodes actives et outre ça j'ai créé aussi des jeux donc quelque chose où vraiment il n'y a plus le côté visite par exemple j'ai créé un escape game urbain dans le centre-ville de Tours qui est basé sur des informations historiques et patrimoniales vérifiées et qui permet en autonomie aux joueurs de découvrir le patrimoine et l'histoire du vieux Tours. Donc ça, c'est une autre version de ce que je fais dans mes activités. Donc aujourd'hui, on se trouve sur la friche du Hallebardier, qui est un lieu dans le quartier du Sanitas à Tours, et qui est l'un des lieux de la visite insolite du quartier du Sanitas que j'ai créé. Alors c'était l'aboutissement d'un projet, j'ai pas été seule sur la création de cette visite, puisque dans ce projet, avec le Centre Social Pluriel et la ville de Tours, on a mené des ateliers avec des habitants et bénévoles du quartier en mai-juin. Et lors de ces ateliers, on a co-créé la visite du quartier. Donc le quartier du Sanitas, c'est un quartier qui a une histoire riche, mais qui n'est pas très connue. Par exemple, il a une histoire évidemment qui est liée à la SNCF, donc au train. Cette histoire, elle est encore visible, par exemple, quand on va sur la passerelle Fournier, qui est une passerelle très ancienne du 19e siècle et qui permet encore aujourd'hui de relier deux parties de Tours au-dessus des rails SNCF. Mais ce quartier, il a aussi, en plus de son histoire riche, des grands projets devant lui, puisqu'il y a des projets d'urbanisme, de renouvellement urbain très importants de la ville de Tours, qui vont arriver sur ce quartier, qui sont déjà en cours, et donc beaucoup d'interrogations de la part de ses habitants et des habitants alentours. Et donc c'est ce que présente la visite, à la fois l'histoire, le présent et ses projets d'urbanisme. Donc dans mes visites, j'utilise vraiment des éléments qui viennent de la pédagogie active. Ça me tient énormément à cœur parce que je pense très sincèrement que par rapport à d'autres méthodes, ça va permettre aux participants d'être plus acteurs, comme leur nom l'indique, dans l'activité, dans la médiation. Ils vont se poser les questions. Ils vont trouver potentiellement les réponses par eux-mêmes, ils vont y avoir réfléchi. Et c'est vraiment des enjeux extrêmement importants, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, pouvoir questionner les informations qu'on reçoit de la part du monde qui nous entoure, des médias, etc., c'est vraiment un enjeu. Et j'espère, d'une manière toute petite, y contribuer.